Ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est évidemment mes chers artistes. Et mes chers artistes, pendant une période très troublée, qui était la période du siège de Paris, donc l'été 1870, et le début 71, qui débouche sur la Commune, donc période très difficile. Et une chose qu'on sait peu, c'est que les artistes étaient très impliqués, c'est-à-dire que beaucoup se sont engagés dans la garde nationale, même s'ils n'y étaient pas obligés, parce qu'ils avaient envie de défendre Paris, de se battre pour la patrie. Ils étaient beaucoup plus impliqués qu'on ne pourrait l'imaginer, y compris mon petit héros, qui est Henri Regnault, enfin un de mes petits héros, et Henri Regnault, qui était un jeune homme brillant, qui est le dernier mort du siège de Paris en janvier 71. Il allait avoir 27 ans, et c'était un jeune homme déjà couronné, déjà brillant, qui avait eu le prix de Rome, qui avait donc passé plusieurs années à la Villa Médicis, qui avait eu le grand prix au Salon, et qui était promis à un grand avenir. Et donc c'est une jeunesse qu'a fauché le siège de Paris et qu'a fauché cette horrible guerre. J'avais déjà fait beaucoup de recherches puisque j'ai fait une vie d'artiste au XIXe siècle, il y a une dizaine d'années, et j'ai lu beaucoup de journaux, de leurs journaux, mais aussi de la presse de l'époque où on raconte beaucoup de choses et où on voit par exemple Gustave Doré faisant ses dernières gravures, enfin ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on les voit vivre jour après jour. Et alors, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le couple Regnault Clairin, car Regnault et Clairin, qui étaient donc ce qu'on appelait des orientalistes à l'époque, qui étaient fascinés d'ailleurs par l'Orient, qui étaient fascinés par... qui avaient un rêve d'ailleurs et qui peignaient de façon très colorée. Et Regnault et Clairin ont vécu les années juste avant, ont vécu très très proches, juste avant le drame, ont vécu très proches. Ils ont vécu en particulier ensemble à Tanger, où Regnault avait acheté une maison et où il était en train de peindre beaucoup de choses, en particulier son dernier tableau qui se trouve au musée d'Orsay. Et Clairin était très fasciné par Regnault, c'est-à-dire que Regnault avait un dynamisme et Clairin se laissait porter par le dynamisme de son ami. Il imaginait un avenir avec Regnault et puis tout s'est arrêté puisque lui a survécu mais que Regnault a été tué. C'est un hommage aux artistes, c'est un hommage, je retrouvais là beaucoup des artistes que j'aime infiniment, Manet, qui était un grand ami de Regnault et Clairin, et également Courbet qui a été tellement durement traité après, puisqu'il était lié à l'histoire de la colonne Vendôme, alors qu'en réalité, bon, il parlait trop fort, mais ça n'est pas vraiment ce qu'il a voulu, et on lui a tout mis sur le dos, il a été condamné à l'exil après. Et donc j'étais très heureuse de retrouver ces gens avec lesquels je vivais depuis longtemps, Gustave Doré dont je parlais tout à l'heure, et puis d'autres artistes, Sarah Bernard, avec laquelle j'ai vécu longtemps aussi, puisque j'ai fait un livre sur les comédiennes au XIXe siècle, et que Sarah est une grande dame, très, très exigeante, très indépendante, et très plaisante aussi, très séduisante. Et puis, par exemple, quelqu'un comme Augusta Holmès, qui est beaucoup moins connue, mais qui est une musicienne, une compositrice, et qui était quelqu'un d'important à l'époque. Mais on connaît moins les musiciennes que les artistes dramatiques et les peintres. Donc, si vous voulez, ça faisait... ce que j'aimais dans cette période, c'est que ça réunissait des artistes vivants, qui vivaient en bande d'ailleurs, qui se voyaient beaucoup, qui causaient beaucoup, et pour qui la camarade et la chaleur humaine étaient quelque chose de très important. En réalité, tout ça a commencé il y a longtemps. J'ai republié Delphine de Girardin, qui n'avait pas été publiée depuis 1850, et Delphine faisait des chroniques dans la presse, le journal de son mari. Et elle racontait donc ce qui se passait quotidiennement. Et un jour, je lisais la presse quotidienne, et je lis « Le théâtre italien vient de brûler ». Et je rentre chez moi et je dis à mon mari « Oh, tu sais, c'est affreux, le théâtre italien a brûlé ».
Et il me dit, mais de quoi parles-tu? Et en fait, j'étais en 1840. Donc après, j'étais en 1870, comme en 1840. Oui, j'ai choisi d'en faire un roman plutôt qu'un essai parce qu'il me semblait que c'était une manière de visualiser beaucoup plus les scènes, mais d'en faire comme un film. Je pense que ça donnerait d'ailleurs un très bon film parce que c'est plus. On tourne plus précisément à la fois autour des lieux et autour des personnages. Et effectivement, on peut les situer. Alors, on peut les situer les Bretons se déchaussant sur les Champs-Élysées ou bien les artistes se réunissant au café régulièrement et discutant des mérites du fusil de Chassepot ou du Remington ou bien dans boulevard Saint-Michel où il y a où il fait très très froid après Noël et où il a gelé à pierre fendre pire que les 20 ans précédents et donc on a connu un hiver affreux et ça tout ça on peut le visualiser et puis on peut visualiser aussi les tableaux. Ce qui me plaisait beaucoup c'était de pouvoir décrire les tableaux aussi bien de Regnault avec sa clarté de blanc dont parlait Théophile Gautier, cette qualité de blanc éclatant dont il parlait tellement bien, et puis aussi bien le fameux ensuite, alors ça c'est en 76, mais le dernier portrait le grand portrait de Sarah par Clairin, qui est ce merveilleux portrait qui est au Petit Palais maintenant et où on voit Sarah en grand peignoir blanc satin et avec un lévrier à ses pieds, très mystérieuse et très vénéneuse à la fois. Et donc c'était une manière, faire un roman plutôt que faire un essai, c'était une manière de pouvoir le montrer en images et sans doute rêver dessus davantage.